Coucou. Alors, aujourd'hui, on rien à voir avec les canards, c'est juste pour vous les montrer. Et il y a ici, il y a les deux autres, voilà, qui font leur toilette. Ils ont accès à cette mare et ils adorent, et en plus, ils la nettoient. Elle était recouverte de lentilles d'eau et ils sont en train de la nettoyer nickel chrome. Donc, bon, de toute façon, ils ont... Waouh, ils ont trouvé le chemin pour venir ici, il n'y a plus moyen de les arrêter maintenant. Voilà. Ça nous arrange bien. Bon, on les laisse faire. Voilà. Rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. On va planter des arbres. Mais c'est pas tant planter des arbres que je voulais vous montrer. C'est mon système d'organisation. Comment vous dire, je suis un petit peu psychorigide, je classe, je range, je dis toujours il faut que ça rentre dans, faut que tout rentre dans des boîtes. Enfin, c'est vraiment, c'est presque maladif quand même hein, chez moi. Et mais ça a de bons côtés, un côté archivage. Je pense que j'ai dû être archiviste dans une vie antérieure. Donc c'est pas ma technique n'est pas encore au point parce que je ne sais pas tellement ce que j'aurais besoin comme données à très très long terme. Mais je voulais commencer à référencer les arbres dès que j'arrive sur le terrain. Parce que je vois des gens qui sont installés depuis 2, 3, 4 ans et qui ne se souviennent plus du tout ce qu'ils ont planté quand ils sont arrivés. Voilà, donc je voulais archiver. En sachant que je suis au panneau solaire, donc l'ordinateur, c'est pas trop mon truc, puis je l'ai pas sur moi et tout ça. Moi, je suis une fille au carnet, et j'ai un carnet à chaque fois que j'ai une nouvelle chose que je veux archiver. Voilà. Je suis en train de planter des arbres. Je voulais vous faire cette vidéo quand j'arrive à une centaine d'arbres, enfin à la première centaine d'arbres plantés. On n'y est pas, hein, on doit être à 76 ou quelque chose comme ça. Donc on a plutôt bien avancé. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est en novembre et que c'est maintenant qu'on plante les arbres. Donc tant pis, je vous la fais maintenant. En ce moment, on est en train de planter donc là autour de la mare pour pouvoir l'été prochain avoir de l'ombre. Donc on a des fleurs qui, j'allais dire, qui servent à rien. Ça sert jamais à rien. Hein. Celle-ci, par exemple, elle est faite pour être jolie, juste jolie. Les baies ne se consomment pas. C'est l'arbre bonbon. Le feuillage tombe et ça fait ces petites baies et ça reste tout l'hiver. Alors c'est joli, ça, un peu violet, enfin parme ou quoi, enfin, je sais pas trop quelle couleur c'est, mais voilà. C'est plutôt joli et ça n'a que cet intérêt-là. Si l'autre intérêt, c'est que les oiseaux n'aiment pas du tout ces baies, donc en plus elles vont vraiment rester jusqu'à la fin de la saison. Donc vous voyez, je veux dire, je plante des choses pour manger, je plante des choses pour les... pollinisateurs, mais je plante aussi des choses qui sont juste très très jolies, enfin, que je trouve très très jolies. Voilà. Chaque arbre, alors je vais vous montrer sur un vrai arbre parce que là aujourd'hui on va parler, enfin d'un vrai arbre, c'est pas que c'est pas un vrai, mais on va parler de ce type là d'arbres, les pommiers, les poiriers, les pêchers, enfin tous ces arbres à fruits, à futurs fruits. Donc ici on a un poirier comis, donc vous voyez mes étiquettes, poirier comis, c'est sa variété, 70 c'est son numéro d'attribution, et puis derrière l'étiquette je mets d'où ça vient, donc là c'est le jardin d'Ordessa, et la date de plantation, donc novembre 2021. Ok, on va aller voir ça après dans le bouquin. S'il y a une étiquette originelle, je la laisse en l'occurrence. Là, il n'y a rien dessus. Mais, enfin, ici, il y a écrit comis, mais voilà. Par rapport aux étiquettes de pépinière, vous voyez, là, c'est attaché avec un petit bout de ferraille. Donc là, il faut que je revienne, il faut que je le retaille un peu et tout. Je vais vous expliquer tout ça. L'important, c'était de les planter. On est allé les acheter, on les a plantés dans la journée. Donc vraiment, c'est des racines nues, ils sont pas en pot. Donc il faut pas trop traîner, ou alors il faut les mettre dans du sable. Et j'avais pas de... Bref, je m'étais pas organisée. Et, de toute façon, on voulait les planter très très vite. On voulait déterminer un petit peu les accès. Alors, pour planter. Là, c'est du... 6-8 cm de circonférence. C'est comme c'est ça qui va critériser
le prix de votre arbre. Et celui-ci, moi je fais 1,50 m, il doit faire une fois planté à peu près 1,80 m. Il est grand. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand je vais le planter, quand je là il a été planté hier, et aujourd'hui je vais lui rabattre, c'est-à-dire couper. Hein. Je vais couper la moitié à peu près de chaque branche pour pouvoir l'année prochaine avoir une belle touffe. Le point de ici, là, le point où va commencer, va séparer le tronc du haut de la tête de l'arbre, se fait en général dans les 1,40 m à peu près. Donc, bon, moi je fais 1,57 m, je sais que c'est ma taille, c'est bon quoi. Voilà, là ça me dépasse, c'est encore mieux. Pour le planter, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo, mais juste je vous le dis, nous on fait un trou assez gros. On met du fumier de cheval qui a 2 ans, puisque le terrain d'à côté, là-bas, il y a des chevaux, donc on va se servir directement en crottin, autant qu'on veut. Donc on met au fond du trou du fumier, et par-dessus, on balance genre un 10 litres d'eau dans le fond du trou. Avant de remettre un petit peu de terre, et puis on touille souvent juste avec un bâton, et en fait ça fait l'effet d'une, ce qu'on appelle une barbotine. On peut rajouter de la bouse de vache, là tout de suite j'en mets pas, mais il faut que j'aille en chercher à la ferme à côté. Voilà, ensuite ben, on recouvre de terre et puis on paille. Donc vous voyez, c'est quand même un paillage sérieux quoi, hein. Il y a bien 30-40 cm quoi. Et on va contenir ça jusqu'à l'année prochaine. Alors là, ce que j'ai fait sur ceux qui ont déjà été plantés, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont été plantés hier, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité, que le sol était gratté et que j'avais pas du tout d'herbe du coup en dessous le foin. J'ai planté, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais des graines de... Mince, c'est pas de la consoude, c'est l'autre là. Je cherche le mot, je m'excuse. Vous voyez, ça c'est du crottin. Vous voyez, il est bien sec, il a 2 ans, il sent absolument rien. Hein. Et puis c'est sec comme de la terre, quoi. Mais c'est du caca. Voilà. Zut, c'est pas de la consoude, c'est. Mince, l'autre. La bourrache. Si je dis pas de bêtises. Ah, on a un intrus. Salut Chacha. Salut ma capsule. ouais, du coup j'en ai mis plein la terre tout autour là, en graines. Hein. Si vous vous souvenez, je les avais pas triées, il y avait encore un peu de terre dessus, dedans. Donc je les ai balancées comme ça dans la terre, j'ai griffé un peu, j'ai remis la paille par-dessus. Et ma foi, on verra si ça enlève la dormance quand on enlèvera la paille. Après les gelées, hein, clairement. Voilà. Donc voilà pour la plantation. Rien d'extraordinaire. On plante. Il faut que ce soit à peu près que la racine est à peu près la même taille que la tête. Donc vous voyez, du coup là, les têtes sont grosses puisque c'est de la racine nue qui a déjà été coupée. Il reste, je dirais, 40-50 cm de racine. Il doit rester 40-50 cm de tête. Pour pas avoir de déséquilibre, il faut pas que votre arbre privilégie la tête au pied, ou là c'est l'hiver, il doit faire de la racine quoi, hein. C'est ça son job, hein. L'année prochaine il fera des feuilles déjà, mais en tout cas là il doit se concentrer sur faire de la racine. Donc et puis bien sûr on met un tuteur. Alors là, on en a racheté parce que je n'avais plus, j'ai mis un bambou, mais juste pour préserver les racines. Le tuteur se pose en même temps que l'arbre, hein. Vous faites, pour pas abîmer vos racines, vous faites votre trou, vous mettez en même temps. Alors là, on a peut-être un peu abusé, on a mis carrément un poteau de clôture, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Et puis ça, c'est les vrais que vous trouvez en jardinerie. Ça coûte un peu une blinde, hein. J'en ai acheté encore hier, je crois que je les ai payés 5 € pièce. Je vais voir, mais en tout cas tutoré, parce que c'est dommage d'avoir un arbre qui penche. Ma voisine, elle a un, on ne le voit pas d'ici, elle a un superbe prunier, et il est presque couché par terre, et on essaye de le renforcer pour pas qu'il se casse la figure, mais c'est très difficile. Je pense qu'elle va le perdre, je pense qu'il va tomber. Voilà, donc là aujourd'hui j'en plante deux, les deux. Je suis allée en rechercher deux hier.
parce que je n'avais pas trouvé ce que je voulais et je n'avais pas une poire commis en fait et je voulais une poire commis. La poire, c'est le fruit préféré de David. Et donc Chacha nous présente la commis. Mon Chacha. Regardez ce tronc, comme c'est super beau. C'est beau, mon Chacha. Hein? Et comme c'est beau. Voilà, donc celui-là m'a fait craquer. Très important quand vous plantez. Voilà ce que c'est qu'une racine nue. Ok. Ici, Chacha, pose-toi. Ici, il y a une jonction, vous voyez? C'est sa greffe, c'est son point de greffe. Alors, je ne vais pas partir à vous expliquer les greffes, mais grosso modo, vous avez les racines d'un arbre qui vont servir à l'adaptabilité de notre sol et puis la précocité du rendement de fruits. Et puis après, vous avez. Chicha. Et puis après. Après, vous avez du coup l'arbre en lui-même que j'ai acheté. Celui-ci, c'est le poirier. Je dis des bêtises, c'est une conférence. Le commis, on l'a vu là-bas. C'est celui qu'on est allé voir là-bas. Okay, c'est mon deuxième poirier du coup. La tête a déjà été taillée. Par rapport au point de greffe, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on plante un arbre, on ne doit absolument pas enterrer le point de greffe, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de la terre jusque-là, il faut vraiment que je vienne mettre de la terre jusque-là. Toute cette partie-là doit être en surface. D'accord? On n'enterre jamais son point de greffe. Ok? Ce qu'on fait pour les tomates, mais là en l'occurrence, ce n'est pas une tomate, c'est un poirier. Alors, j'ai préparé le tuteur, l'arbre est à côté et on va aller. J'ai sorti le carnet, les carnets. Je vais venir vous expliquer comment je classe. Je pense que c'est important. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas. Ça, c'est un carnet qui ne sert que. On va le voir. C'est écrit arbre. Voilà. Ah, mon mégot. Super. Hop! Ah bah la capsule maintenant. Allez, bonjour Fifi. Tu dis bonjour? Bonjour mon Fifi. Allez, va te promener. Non, va te promener. Voilà. Donc là-dedans, c'est mes arbres qui sont référencés. À chaque fois que j'achète un arbre ou que j'acquiers un arbre, je viens le noter dans ce carnet. Donc vous voyez, l'arbre numéro 1, c'est un arbre. C'est un olivier. Et c'est un olivier qui vient du coup de la crémaillère de Olivier, mon frère. Pour sa crémaillère, on lui a offert un olivier. Du coup, il vient d'une pépinière de Toulon, mais c'était en 2012, je ne me rappelle pas. L'année de plantation. Et puis voilà. En gros, c'est je mets où je les achète. Donc, vous voyez, pépinière de Bral. Je mets aussi je mets le prix. Je les paye. Alors ça, c'est dans une idée de. Il faut réfléchir à ce que ça va, à quoi ça va vous servir en fait. Moi, je veux un listing parce que je veux savoir ce que j'ai dépensé par an. Je veux être capable à un moment de vous dire, ok, une forêt gourmande, ça coûte, enfin. Comme nous, au rythme de la nôtre, ça va vous coûter tant. Nous, on a un budget, on a un budget. On a un budget de 200 euros. Enfin, on s'est auto-attribué un budget de 200 euros par mois pour s'acheter des arbres. On a prévu de planter 500 arbres les 5 premières années. On aimerait clairement monter à 1000. C'est peut-être un peu ambitieux, donc on se dit si on arrive à faire 500, on est bien. Pour le moment, du coup, on est là depuis 6 mois, on en est à 60, 16, je crois que c'est le dernier, le poirier. Ouais. On est dans les quotas, on va être bien. Alors, comment ça se passe du coup ce carnet? Donc, poirier conférence, 29 euros, c'est le prix que je l'ai acheté. Elle vient de la pépinière Thibault.
en Corrèze, oui, parce qu'on est limite département, donc on passe souvent en Corrèze, alors qu'ici on est en Dordogne. Et puis je l'ai planté, je vais le planter aujourd'hui, donc en novembre 2021. Il a son numéro d'attribution 76, que je vais aller coller sur son tronc. Donc je lui ai fait sa petite étiquette. Voilà, 76, Poirier Conférence. Et de l'autre côté, Pépinière Thibault, 11-2021. D'accord? Je vais aller lui mettre ça. Alors moi, je mets du raffia. Parce que j'aime pas les fils de fer. Ça abîme les arbres si vous les oubliez. Ou le raffia, si l'arbre y pousse trop, il pètera. Attention pour le raffia, j'en ai acheté hier. J'en ai racheté hier parce que j'ai perdu ma bobine. Normalement, je le fais avec la ficelle, mais j'ai perdu. Et j'avais une bobine de raffia et je l'ai perdue aussi. Donc j'ai racheté un raffia. Et j'ai vu qu'ils vendaient du Vlapati, qu'ils vendaient du raffia. Je sais pas comment, mais il n'était pas naturel. Celui-là, c'est du raffia naturel, c'est de la, c'est du coup c'est du végétal. Ils vendaient un, je sais pas, une espèce de raffia en plastoc ou enfin je sais pas quoi. Donc soyez vigilants parce que c'était, je crois que c'était Jardiland, hein, carrément quoi. J'étais outrée, la meuf, carrément outrée. Alors du coup, j'ai mon numéro, ok, on est mon poirier là, c'est le 76. Dernière organisation. Donc ça du coup, ça me sert surtout pour pouvoir vous dire à la fin de l'année combien j'aurais dépensé mois par mois, année par année, pour savoir le budget une fois que j'aurai. Mais je récupère des arbres, je ne fais pas que acheter. Hein. Regardez là, par exemple, j'ai planté deux robiniers tout en bas. Donc tout en bas, c'est tout là-bas, 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 là-bas. Voilà. Et regardez, ils viennent de Neuilly-Saint-Front. En fait, j'avais des robiniers à Neuilly-Saint-Front. J'ai ramené des boutures, j'en ai comprises. Donc, je leur ai attribué un numéro, 6162. Et je les ai plantés. Bah, pour le coup, le mois dernier, ils ont passé du temps en pot. Ils étaient avec un citronnier. Donc, là, il fallait que je démonte tout et tout. Voilà. Là, regardez, j'ai deux genévriers. Donc, a priori, je suis allée les chercher dans la colline. Donc, la colline de Larry. Pareil, planté le mois dernier. La colline de Larry, c'est la colline qui se trouve. Hop là, c'est cette colline-là. Donc je suis allée les chercher et ils sont plantés pour le coup tout là-bas au bout du terrain, presque juste contre la barrière de Larry. Larry, c'est le monsieur qui a les chevaux, qui me donne le fumier, machin, tout ça. Il y avait des plants, donc tout là-haut, là, ils étaient au-dessus des acacias, là-haut. Il y avait des plants avec des fruits et d'autres non, donc j'en ai pris un de chaque en supposant qu'il y ait des mâles et des femelles. En fait, j'en sais rien. Je me suis retrouvée là, hop, j'ai pris deux bébés. Vous savez, c'est les bébés arbres qui poussent au pied des arbres parents et qui ne verront jamais le jour parce que les parents leur font de l'ombre. La forêt fonctionne comme ça. Voilà, en plus, j'en ai pas pris 100, quoi. J'en ai pris deux et puis personne ne va jamais dans cette forêt parce que c'est privé. Non, cette colline parce que c'est privé. Du coup, j'en ai mis deux. J'en ai mis deux. Donc, je note. Ils viennent de la colline de Larry et ils ont été plantés le mois dernier. Ok, si j'ai des annotations, est-ce que c'est un mâle, une femelle? Voilà, je note. Alors, ça me sert à quoi? Le numéro, je vais venir le reporter sur un plan. C'est un plan de mon terrain. Hop, que j'ai imprimé, que j'ai fait imprimer en. Au-dessus de A4, ça doit être A3, je crois. Ça fait deux feuilles A4. Donc, il y a mon terrain, c'est la parcelle rouge. Il y a dessus, j'ai mis mes structures, enfin mes structures qui étaient déjà existantes. Tous les ronds verts, c'est des arbres qui étaient déjà là, que j'ai référencés. J'ai retrouvé ce que c'était, je les ai remis au fur et à mesure. On a la petite mare qui est donc du coup devant nous. Ici, on a un poteau électrique en plein milieu de mon terrain. Ce qui est quand même une aberration vu que j'ai pas l'électricité de la ville, mais bon. Voilà. Et ce poteau sert juste à donner de l'électricité à cette maison qui se trouve dans le fond, qui est excentrée, hein, parce qu'ils sont encore plus loin que nous. Et le fil s'arrête là après. Bon, voilà. Mais j'ai mon poteau, j'ai ma mare, j'ai tout est noté sur mon plan, l'espacement de la future maison, la phyto. Le kiho, le mandala, vous voyez tous les serres, la serre, les canardiers, tout ça, tout est noté dessus. Là, on est strictement ici, donc c'est une allée qui ira de la maison jusqu'au, avec une vue plongeante sur la mare, donc qui va être faite.
Du coup, on est pile poil là à planter des arbres à droite et à gauche pour faire cette portion-là de chemin. On est en haut du talus, donc on est strictement ici. Alors moi, je sais parce que je connais bien mon terrain. Et du coup, si vous regardez, eh ben, j'ai mis un petit rond avec l'arbre numéro 76. Donc là, je plante aujourd'hui un pommier 75 et un poirier 76. Ils sont là. Ça veut dire, à quoi ça sert? Je suis dans mon jardin, je vois un arbre. Imaginez par exemple, il n'a plus d'étiquette. Je viens chercher mon plan, je regarde le positionnement, je sais que c'est le 76. Je vais regarder dans mon bouquin, le 76, je vais trouver que c'est un poirier. Si je perds une étiquette, je ne suis pas paniquée, je sais exactement ce que j'ai. Si j'ai un arbre et je ne me souviens plus du cultivar, tu vois, par exemple, j'en sais rien, j'ai des cerises, des bigarreaux et puis j'en sais rien, j'en connais, je ne sais pas si j'en connais d'autres des cerises en fait. C'était pas un bon exemple. Bref, si j'ai pas le cultivar, il suffit que je reprenne le numéro de l'arbre, que je vienne voir dans mon cahier et je sais exactement ce que c'est, où je l'ai eu. Par exemple, là, je suis en train de planter des akébias. Donc, vous voyez, akébia, il y en a un ici. J'en ai repris un du coup hier parce que il me faut. C'est une pollinisation croisée entre cultivars différents, on va dire comme ça. C'est auto-fertile, mais en pollinisation croisée. C'est-à-dire que sur chaque plante, il y a des organes mâles et des organes femelles, mais elles ne se font pas des bébés à elles toutes seules, grosso modo, quoi. Les femelles poussent, les fleurs femelles poussent à l'entrée à la base de la tige et la fleur mâle pousse au bout. Donc en fait, elles n'arrivent pas trop à se rencontrer. Donc l'idéal, c'est d'en mettre deux. Et si on en met deux en plus d'un cultivar différent, les petites abeilles elles vont venir chercher le pollen sur une et le déposer sur les pistils de l'autre. Donc ça sera beaucoup plus efficace. Les akébias tout seuls, ils donnent presque pas de fruits. Bref. Donc, hier j'ai repris en pourpre. Okay? Et là j'ai déjà un akébia 72 qui est à côté du poulailler. Et j'en avais déjà un. Je sais plus où il est, mais j'en ai un autre. Voilà, akébia. Voilà. Et du coup, le fait de les prendre dans des jardineries différentes, vous pouvez plus facilement trouver des cultivars qui sont différents. Ok. Alors en l'occurrence, là, je me suis bien plantée parce que j'en ai trois et c'est le troisième que j'achète. Et à chaque fois, j'achète des pourpres. Il n'y a rien à faire. Je me dis, il me faut autre chose qu'un pourpre. Il y a plein d'autres couleurs qui existent. Et moi, ça fait trois que j'achète pourpre. On me dit, et encore hier, je dis, ah non, mais le pourpre, c'est sûr, je l'ai pas, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr. J'arrive ici, je vérifie mes étiquettes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça fait un fruit avec des graines à l'intérieur qui a pas grand intérêt gustatif, honnêtement. Par contre, qui fait des très belles fleurs et surtout les graines de ces fruits-là, les poules en raffolent, mais en raffolent, mais en raffolent, quoi. Donc en fait, comme c'est une liane grimpante, moi je les ai mis autour du poulailler. Donc voilà, on a le poulailler ici, on a là les arbres au faisan là 44-45 et on a à côté 74-75 les deux des akébias. Le troisième avait déjà été planté à côté des cerisiers. Et du coup, je vais faire partir les lianes sur le. Là, c'est le poulailler. Et puis, je vais essayer d'en faire partir un peu sur le canardier pour leur faire de l'ombre l'été. Parce que vous voyez, les fruits, là, ça arrive en fructification. Donc, c'est quand même super intéressant. Enfin, je veux dire, c'est tard dans la saison. Donc, ça va faire du feuillage dans tous les beaux jours quoi qui vont être intéressants pour mes poules pour qu'elles puissent se mettre un petit peu à l'ombre. Elles cherchent beaucoup l'ombre, hein. On est obligé de leur ouvrir des fois parce que moi je trouve que oh là, je trouve que ce coin-là c'est un petit peu beaucoup chaud l'été quoi, hein. C'est le terrain qui est exposé plein sud, voilà. Donc normalement ces papiers-là sortent pas de la maison, hein. Là je voulais juste David fait sa formation d'apiculture à l'intérieur, donc du coup je me suis mis à l'extérieur, mais normalement c'est des papiers, je veux pas les abîmer, je veux pas que ça prenne l'eau machin, donc ça vient pas à l'extérieur. Voilà,
J'ai une bonne idée comme ça de mon terrain, de mon budget, de chaque emplacement. Visuellement, je vois ce qui va pas. Tout ce coin-là, par exemple, ben, je le réserve parce qu'on voudrait faire une truffière. Donc, je pense qu'on va la faire ici. En sachant que il part ici, pardon, là, ici, là, c'est la forêt. En fait, c'est ce que vous voyez. Alors, il y a un beau contre-jour. Je ne sais pas si vous allez le voir. On va pas voir grand-chose, mais j'essaye de vous cacher le soleil. Mais voilà, le haut du terrain. Attends, je me lève. Voilà. Ouais, là-bas, il y a la serre. Et tout en haut, c'est la forêt. Donc, du coup, la truffière, on la ferait plutôt par là-bas, toute cette partie qui descend là. Parce que c'est beaucoup à l'ombre dans dans le sous-bois, et puis c'est déjà du chêne, du châtaignier, du noyer, enfin voilà, c'est déjà des arbres comme ça, donc ça devrait prendre, ça devrait prendre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous reparlerai de la truffière parce que j'ai un projet. En gros, on va installer une truffière pour notre retraite, pour nous faire un peu de sous pour notre retraite, et puis évidemment pour avoir des truffes. Mais c'est très particulier comme plantation, donc le fais avec une, je vais le faire avec une association et spécialisée, hein, ici Dordogne, l'autre pays de la noix, avec Grenoble. D'ailleurs, ici, on plante une noix qui s'appelle la Franquette et qui est un AOC et qui est une noix grenobloise. Hein. Voilà, on a nos propres noyers, mais on renie pas tout. Voilà. Voilà. Donc du coup cette année, bah, j'en ai acheté un. Ça coûte une blinde. Hein. Et ben, voilà à quoi sert votre petit carnet. Hop, regarde. Alors le noyer Franquette, il est là, 45 euros. Sa mère, hein, le châtaignier, c'est pareil. Donc moi, je l'ai pris au jardin d'Ordessa. Il est déjà payé, donc je l'ai déjà rentré dans mon carnet. Et vous voyez, le 73, il n'est pas entouré. Ça veut dire qu'il n'est pas planté. Alors là, pour le coup, il n'est pas planté parce que il ne me sera livré, enfin j'irai le chercher, parce que c'est pas loin, qu'en décembre, deuxième semaine de décembre. Mais du coup, il a déjà son numéro d'attribution, puisqu'il est déjà passé dans le budget. Voilà, et juste, je l'attends. Ok. Et puis visuellement, comme ça, ben, je vois, hein, quand il y a des ronds et quand il n'y a pas de ronds. Hein. Et je vois tout de suite ce qu'il me reste à faire. J'ai un bac exprès où je mets mes arbres qui sont à planter. Voilà, on en reste là pour l'organisation. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Quelque chose auquel j'aurais pas pensé pour la finalité de croisement de données. Et puis moi, je vous laisse et je vais attraper ma groline et me réchauffer un petit peu les cuissots. Voilà, je vous fais des bisous à tous.